Salut Léoval. Salut Donan. Comment vous allez les gars? Salut Guitou. Salut Crimson. Salut Christophe. Ouais, ça va. On accepte tout. Hop. Tu rejoues sur D1 de nos, ouais, ça doit être cool. Salut Gaël, salut Yanis. Monsieur Milo, comment vas-tu? Bien sûr, Christophe, c'est open bar. Salut SVS. Salut Ruko. Comment ça bâtit? Salut Miro. Bah, j'ai à tort, Ruko. Ouais, la Redrix c'est très long. Après, la Luna c'est long, plus un petit peu difficile. Et la Not Forgotten c'est difficile. Fabien, j'ai déjà fait deux vidéos dessus. Ça ira sur le sujet en thème. Je me suis déjà bien assez exprimé. Pour ceux qui veulent savoir mon avis. Miro, le nerf des pompes, alors ils l'ont, oui, ils ont annoncé pour le 5, après ils n'ont pas annoncé ce que ça serait, donc on va voir ce que ce sera avant de savoir si c'est si c'est un gros nerf, un petit nerf, si ça va changer les choses ou pas. Pour l'instant, on peut pas savoir. Salut Bongo! Ah, pouvons-nous commencer? Non, pas intéressant. Monter notre truc. Bah ouais, on va voir ce que ça donne. Dites-moi, vous n'avez pas peur des missions de l'avant-garde? Mais j'ai absolument pas Enfin, je peur. sais que vous utiliserez ça à bon escient. Lorsque votre lumière vous aura aidé à rentrer cette source. Non, non, le monarque il est cool à jouer, hein. Comme ça, moi aussi j'aime bien jouer le monarque. Je vois pas pourquoi est-ce que tu serais bizarre. Vérification. Pour combiner avec le dernier pôle? Bah c'est pour moi c'est un stack, il faut combiner. Après c'est pas dans la méta donc c'est compliqué mais pour moi le plus sympa à jouer c'est dernière parole snipe. Ah. Vous avez du lag, ouais, mais alors je sais pas ce que j'ai avec mon. Il y a que le jeu qui lag, hein, on est d'accord là. Alors, si je change ça. Voilà. Là, ça devrait plus laguer. Bonne chance pour vos aventures. Vous avez réussi. Salut Kevin. Vous avez gagné le concours de l'épreuve. Oh là là, trop bien, une gouvernante. Oh my god. It's amazing. Et voilà. Gardez bien le dos au mur, gardienne. Let's go. Oh, qu'est-ce que j'allais faire? Les rênes du pouvoir à la nouvelle monarchie, c'est ça? Qu'est-ce que... Bien sûr. Ouais, c'est sympa, Ward, mais t'as pas d'armes qui peut one-shotter. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est sympa, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas ce qui pourrait être vraiment très performant parce que t'as pas cette menace du one-shot, quoi. C'est dommage le nerf des pompes. Oh, putain. Tu veux que ça dure combien de temps la domination des pompes?
Non, pas forcément grandement réajusté, juste enlever un petit peu de flinch et ça devrait suffire. Salut Soulet, ça va et toi? Salut Freddy. Ouais, mais t'as pas de one shot. C'est bien ce que je dis, Ward. En fait, le fait d'avoir la possibilité de tuer en une balle n'importe qui, c'est dans le PvP de Destiny, ça a toujours été assez important et assez dissuasif. Et le fait de ne pas l'avoir, c'est pas. J'ai pas dit que c'était genre. Impossible. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas le plus optimisé, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Milo, je sais pas. En fait, c'est pas forcément une méta que j'aimerais, c'est reprendre. Prendre vraiment du plaisir à jouer à ce jeu que j'aimerais retrouver. Après, le reste, tu vois, ça viendra comme ça viendra, je pense. C'est Coco. Bien sûr, quand tu les touches au sniper, mais c'est pareil, si tu vises à côté à l'arc, tu vas pas faire beaucoup plus de dégâts que si tu vises à côté au sniper. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de son? Bien sûr que si. Bah Léo, c'est dur de le dire parce qu'on a eu qu'une mage. Mais en fait, ça vaut son prix pour moi, mais c'est comment dire? C'est pas assez quoi. Ouais, Kevin, faudrait les enlever un petit peu puis mettre des viseurs plus sympas. Je suis d'accord avec toi. Ah si, dans l'année 3, il y aura le nouveau système de saison, Alexandre? Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec ce jeu. Salut DJK. Vraiment, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec Destiny. Pour moi, c'est trop tard en fait. Ils peuvent plus remonter vraiment la barre de Destiny 2. Ça va faire trop longtemps qu'il est sorti. Ils ont déçu trop de monde. Pourront sortir un DLC sympa, tu vois, avec une histoire sympa, un peu comme Renegade, mais. Ouais, moi, c'est un peu depuis le début de Destiny 2. On dit impossible retour de la SRL, mais. C'est pareil. Est-ce que ça changera vraiment les choses, tu vois? Alors, Renegade, il est ouf. Renegade, il est rentré. C'est DJ Squad et c'est Intersection le nom du son Milo. Vous avez capturé la zone 1. Ouais, ou un autre jeu, tu vois. On sait que Bungie travaille sur un autre jeu. Enfin, on verra bien, tu vois. Là-dessus, moi je. Que j'ai pas joué, je vais être un peu rouillé. Non, mais il y aura du contenu, mais même si le contenu est plutôt pas mal, c'est trop tard. Tu peux pas. C'est comme The Division. The Division, il était très mal parti et il s'était vachement amélioré à la fin. Et tout le monde accorde à lire, mais tu peux pas retrouver un vrai succès. En t'améliorant aussi tard en fait. C'est juste pas possible. Il y a tellement d'autres sorties, tellement d'autres trucs que les gens ils attendent pas, quoi.
Oh putain, elle est pas passée celle-là. L'Ordre de Division, il a été très très vite abandonné. Ils ont perdu énormément de joueurs. Oh putain. Zone A capturée. Vous avez l'avantage de zone. Aïe. Zone B perdue. On va avoir un petit peu de D2 ce soir. Faire plaisir, se remettre dedans, se prendre la tête, essayer de sortir 2-3 petites actions. On a mis quelques têtes au snipe déjà. Vous n'êtes plus en tête. Merde. J'étais trop pressé. Ouais, ouais, il est plus. Enfin, franchement, Léo Nouveau, moi, Renégat, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Le reste, ouais, mais Renégat, j'ai rien à lui reprocher. Bah non, tu sais très bien, Archi TV, quand tu fais mes lives, je joue tout seul. Et j'accepte personne. La zone B, vous avez l'avantage de zone. Ah. Ça suffirait même pas, Alexandre. Trop tard. Pour un jeu qui a plus de 2 ans, c'est trop tard. Ça sera trop tard. Ah merde, putain, je suis dessus sur les deux, je tire juste après qu'il soit tué. Ah. Qui c'est qui me pousse? Purée, c'est mon seul collègue. Après même D3, hein, vu l'état de D2 et la déception qu'il y a eu sur D2, est-ce que vraiment les gens seront prêts à s'investir dedans? Je suis pas sûr. Mais ça, franchement, moi je suis personne pour dire ça, on verra, tu vois. Vous avez capturé la zone A. Vous avez l'avantage de zone. Zone C perdue. Ah par contre, écris pas comme même, Alexandre, sinon on va pas prendre tes arguments au sérieux après. Ah, je me balle. Je
Là, on va se taper l'enchaînement super lourd, super lourd, super lourd. Bon, remonter, ce serait la pire des erreurs qu'il ferait. Le hype autour des Battle Royale est fini. En ce moment, le seul qui survit, c'est Apex qui vient de sortir. Donc, il sortirait en même temps que Apex qui vient de sortir. Ça serait la pire des erreurs de sortir un Battle Royale en ce moment. Alors on monte à la fin quand c'est fini quoi. Ah je promets pas. Pourquoi il faut pas hanter? En fait c'est ça qui est ouf, c'est ceux qui aiment Anthem, ils veulent pas comparer. Et dès qu'on dit un truc mauvais dans Anthem, ils disent mais c'est pire dans DC. La mauvaise foi à l'état pur. Tu vois, c'est comparé comme ça, que quand ça arrange. Oulala, ça a été difficile, Rosa. Mais en fait, une comparaison en T, c'est pas forcément exactement la même chose, sinon ça s'appelle plus une comparaison, donc c'est normal que tu puisses comparer des choses qui sont pas identiques. Ça va, j'ai capturé un petit peu. Ah, s'il y en a qui veulent rejoindre, je me mets un peu en orbite. Ah, qui ont envoyé des invitations? Non, non, c'est bon, c'est des invitations de partie. Ah, bah, Lilo, je mets pas toutes les balles de sniper. Tu sais, je suis pas un pro. En fait, tu vois, moi, ce qui m'embête, c'est que tu peux pas sortir 4 ans après les jeux de ce genre-là, entre guillemets, hein, des games à service orientés sur le loot et tout ça. Dire que tu as appris d'eux, tacler les autres jeux quand même, puisqu'ils l'ont fait un petit peu, et sortir avec aussi peu de endgame, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est genre totalement incohérent, quoi. Je trouve ça même niveau malhonnête. De quoi, Alexandre? C'est quoi mon emblème? Ah, c'est celui du Black Friday, mais il y a plus d'un an, il y a un an et demi. Donc on peut plus l'avoir.
The Division 2, il y a des chances. Franchement, ils se sont très bien améliorés tout au long du 1. Contrairement à Destiny, hein, qui a une première année très compliquée, une deuxième année plutôt bonne, une troisième année mauvaise, où, donc c'était un peu fluctuant. Mais là, The Division, ça a fait que monter sur le 1. Et du coup, tu peux te dire qu'avec le 2, ils n'ont pas essayé de révolutionner les choses. Ils ont essayé en gros, de reprendre tout ce qui avait marché sur le 1 pour le compléter. Peut-être qu'il peut marcher. Après moi, c'est le style le gameplay de The Division qui me plaît pas trop. Mais c'est super subjectif. Il y en a qui ça va méga plaire. Et je pense que pour eux, ils auront un contenu de ouf avec tout ce qui a vraiment bien marché dans The Division 1. Donc il faut essayer. Ce week-end, il y a une bêta ouverte. Il y a une bêta ouverte The Division 2. Donc essayez les gens si vous voulez voir ce que ça donne. Oh, Emma, je sais pas ce que je vais faire ce soir, je veux juste m'amuser. Ah, Steven, en tout cas, le 2 pour moi, il est fini aussi. Ah, ouais, c'est du 5 APV lent, Dante, je suis plutôt d'accord, mais par contre, t'as vraiment l'impression que les armes ont leur importance. Contrairement dans Anthem, où t'as l'impression que les armes c'est un peu toutes les mêmes et qu'elles servent juste à monter ta puissance. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi je suis pas très dans ce mode de jeu, tu vois, dans ce mode de jeu j'avais quoi moi? C'est Dragon Ball FighterZ. Et j'en avais un autre, je sais plus si je l'ai là. Et j'avais Injustice 2. Mais en gros moi ce genre de jeu je fais l'histoire et puis après j'arrête. Je suis pas très bon dans ce genre de truc, donc il faut vraiment que l'univers me plaise. Et là, Jump Force, c'est vraiment axé sur, pas sur une histoire, c'est axé sur le fait de faire des games entre persos de la culture manga, tu vois. Anthem, il est cool, hein. Mais il est cool pendant 15 heures et après, t'as l'impression de toujours faire la même chose. Enfin, moi, ça m'a cassé les couilles de refaire toujours les deux mêmes forteresses. Oh putain. Toujours les deux mêmes forteresses en boucle. D'avoir des quêtes ou des missions. Ok, d'accord, mais pour les faire, ben, il fallait que tu fasses les forteresses que tu connais. Attendez, j'ai ma manette qui part en couille. Il y a certains moments où ma manette elle. J'ai l'impression que le joystick part en couille. Ah oui! Ouh là là, oui! Ouah! Des fois je bouge pas le joystick et mon viseur bouge tout seul. Ah oui! Bah comme là! Waouh! Et merde, putain, la manette est déjà foutue, sérieux! Oh là là, non! Non, non, mais elle est en filaire, la manette. Ah ouais! Ça fait comme ça, là, quand ça monte et que ça va sur la droite, c'est pas moi qui le fais. Ça a l'air de nous. Ah non, putain, ça me le fait. Regardez, putain, des fois elle bouge toute seule.
Ah, je suis pas dans mon mode. Je crois que c'est ça. Putain, j'ai flippé. Ah, ça doit être ça. Voilà! On va voir si c'était ça ou pas. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de retour de choc prévu dans l'autre mode et que c'est ça qui me donnait l'impression. Ça allait, en fait, après que j'ai appuyé sur un endroit, ça allait pile dans l'opposé juste après. Pendant pas longtemps, mais... Double dose. La force est dans le nombre, gardienne. Excellent. Ah, j'ai flippé sa mère. On aurait bien fait chier. Ah, la petite fantôme. Ah si, elle le fait encore, putain. Ah, je suis dégoûté. Ils peuvent être des deux côtés. Votre puissance est une source d'inspiration pour nous tous, Titan. Encore 5 minutes. Vous avez fait un bon début. Battez-vous. Ouais, je pense qu'elle est sous garantie, je pense. Ah, j'arrive pas à le reproduire. Il dure longtemps. Oh, ça va, ça a l'air de plus le faire. Comme une titan de l'ordre du premier vivier. Ah merde, j'ai loupé sa tête. Double dose. Trois adversaires éliminés.
Détendez-vous, gardienne. Vous leur faites peur. Ils ne voudront plus jamais se battre contre vous. Nice. De quoi j'ai mis? Non, je suis pas en full sac. Déjà on est que 5 je crois. Et puis en plus si je voulais farmer, je jouerais pas avec le dernier parle. Bah Rudy, y a pas grand chose à tester, je voulais tester l'arc. Le serment est. J'ai commencé hein. J'avais fait des extraits et tout ça, et j'ai eu. J'ai eu un gros manque de motive. Vraiment. Je préfère être franc avec vous. J'ai eu un sacré gros manque de motive. Mardi, Ray. Le mardi 5. Non, Emma, il y a Kiwi Coca qui en fait. Si vous voulez faire des top clips, envoyez à Kiwi Coca. Avant, je disais j'hésite. Depuis Kiwi Coca en fait, j'hésite plus. Allez-y, foncez sur sa chaîne pour regarder en entier et encore plus ses top clips. Ça va et toi, Emmanuel? Salut Aka, tu vas bien? Salut Soupe. Salut Prad. Salut Gaming. Salut Mathéo. Oh, il y a eu un envoi de notif là que vous êtes tous arrivés en même temps. Ouais, il est sympa Prad. En full stack T6. On n'est pas en full stack T6 dernière parole Prad. On communique même pas en plus. Ce qui est un comble pour une full stack. Je t'ai pas vu AK, tu vas bien mec. Mais non, ça farme pas. Purée. En fait, je laisse juste rejoindre les abonnés qui ont envie de rejoindre les gars. Allez capturer les autres. C'est votre vie qui en dépend. Oh, top monde sur Destiny, c'est pas très compliqué vu le nombre de gens qui jouent. Rien ne
peut vous arrêter quand vous combattez ensemble. C'est perdu. Vous avez capturé la zone A. Votre équipe a l'avantage de zone. Le combat vous renforce. J'aime ça. Il rend l'argent. Si tu savais, gros. Je devrais faire une vidéo sur l'argent que je gagne. En vous montrant les interfaces pour que vous voyez en direct. Vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Continuez comme ça. Ça en referait des descentes de 3 déjà. Qui pense qu'on fait ça pour la thune? D'ailleurs j'invite tous ceux qui veulent gagner plus de thunes à essayer de faire youtubeur que je rigole. Votre équipe a l'avantage de zone. Ah, clairement, je ferais mieux de faire des heures sup au travail que de d'avoir ma chaîne YouTube. Hein. Oh là, je suis mort. Je rapporterai. Ça me rapporterait beaucoup plus. Après, ça serait moins fun, tu vois, mais ça me rapporterait plus. En fait, je te dis ça, mais Ward, mais elle... enfin, vu que je suis cadre, ça serait vraiment que les heures sup week-end ou ce genre de truc qui le serait. Quand je reste plus tard le soir, c'est pas payé. Mais je veux dire, je ferais mieux d'aller travailler un samedi, tu vois, pour un projet en plus ou ce genre de truc. Ou de faire des projets de développement web, tu vois, de mon côté. Là, ouais, je gagnerais plus de thunes. Ouais, je sais, ouais. Bon, vu qu'on est trop, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les squads. Et les trois premiers qui rejoindront, on part en compète. Bah, Emmanuel, tu vois, par exemple, là, j'ai travaillé... je l'ai mis sur Twitter, hein, donc il n'y a pas de secret. J'ai travaillé samedi soir et dimanche pour vraiment finir un truc pour lundi, parce qu'on me l'avait demandé. Ben, j'aurais un bonus, tu vois, je veux dire. Mais non, quand en semaine, tu restes plus tard, ou t'arrives plus tôt, ou même mes déplacements en semaine, je suis pas payé plus, tu vois. Alors que j'ai déjà été à Toulon, j'ai déjà été à Paris, j'ai déjà été, tu vois, pour le taf. Alors ouais, moi c'est un peu différent, enfin Damien, puisque je suis cadre, mais je suis cadre depuis ma sortie d'études, vu que j'ai un bac plus 5. Donc je suis cadre, mais pour l'instant je suis en train de changer de poste, hein. Mais je suis aussi quelqu'un qui réalise, donc... Tu vois ce que je veux dire, je suis un... Non, genre j'ai le contrat, mais pas forcément les responsabilités pour l'instant, même si ça change pas mal. Non, en développement web, j'ai un master 2 en développement et gestion multimédia web. Ouais, Hydra, après, c'est juste que j'en ai pas du tout fait. J'avais déjà ma Luna sur Xbox, j'en ai pas refait sur PS4.
J'ai envie de voir où en est la méta compète. Un peu Damien pour l'instant, mais c'est vraiment en train de changer depuis un bon 3-4 mois, donc ça y est, je commence à avoir les inconvénients qui arrivent. Mais c'est comme ça pour tous les bac plus 5 dans le développement, hein, que ce soit web ou logiciel, tu es obligé d'être cadre quasiment à ta sortie d'études et en vrai, des responsabilités cadre en sortie d'études, il n'y en a pas vraiment. Non, en fait, je veux juste faire quelques games. On verra. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Je veux pas forcément faire des points. Bah justement, Hydra, je veux voir ce que donne mon dernière parole snipe dans le compète. Domination. Ah, si, gaming, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. J'ai fait une vidéo. Comment est-ce qu'elle s'appelle la vidéo? Bien sûr, elle vient pas, elle sera pas là au moins encore les 2 prochaines saisons. Donc il faut pas trop compter dessus, tu vois. Putain. Non, il n'a pas été reporté, c'est juste qu'il n'est pas prêt, Hydra. Ils n'avaient pas donné de date, donc quand tu donnes pas de date, tu peux pas reporter. Tu vois ce que je veux dire? Eh, smart, hein? Oh, sérieux. Ils ont pris l'avantage, renversé la situation. Ça serait bien de pusher B. Il y en a un qui attend voir qui survient, qui attend dans le bloc. Ça commence à parler, tout ça, ça rigole pas dans la team. Il y a que des numéros 10 dans oh, la team. Deux. Deux sûrement. Ok. 3 points. C'est qui? C'est l'enfeu qui voulait faire les 2000 points ce soir? On va se faire sortir sur le premier game. Encore sûrement, encore. Ouais, ça a l'air de jouer en face. Ah, absolute. Bottom, absolute. Vous avez capturé la zone A. Vous avez l'avantage de zone. Copy flag, ils sont 2 sur 7. Ah ouais, il y a du jamais oublié. Ouais, il y a des grosses cotes. Zone C perdue. Ah. Super sur un. Ok, irritate sur B. Ok. Je vois ça. Il est mort. Allez, bouge B. Hop, on a laissé. Mais il garde trop bien d'ailleurs, c'est pas possible de. Vous avez l'avantage de Faudrait que je pousse ensemble. Gauche. C'est deux au moins. À gauche. Roquette. GG. C'est le Ehren Till, c'est marqué. Quand il y a une mort, c'est marqué en haut ici, en haut à gauche. Du coup, super. Faut cap, sinon on va se faire pouvoir. Allez. Et cap de A. Attention, pas trop regroupé. T'inquiète. Récupérez ces zones. Vous avez capturé la zone A.
de nos bacs. Ok, je pousse sur B. Ok. Ok, super sur B. Super nid. Yo. Ah, y'a la cam. Ouais, c'est le ventil. Elle sortir, elle a plus de vie. Oh. Oh, ok, d'accord. Injouable. J'ai quelqu'un super. Vas-y. N'importe quoi. J'ai foutu mon super dans le vent, il m'a mis 3 têtes avec son pomme, j'ai rien pu faire. J'ai les vies, sinon on va On monte là-bas, c'est... Non, c'est une capacité. J'ai... Allez, vas-y, on cap. J'ai... On cap, vite. Super. Dilo. Allez, une balle. Bon, parfait. Ça nous cache de ah, ça va nous cacher. Allez cap C. Tim, mec. Cap. On va pas de la zone. Non, mais fallait pas t'envoler. T'inquiète pas, je suis là. Ouais, mais fallait pas t'envoler de la zone, tu l'aurais vu. Oh là là, mais mon pompe, il a pas de portée, putain, ouais. J'ai... Ah, mais c'était où ça où je me faisais tuer, là, putain. Dans votre bac. Ah, ils font du pompe, c'est pas drôle. C'est le café mou. Oh, j'ai. Ah, ça joue en face, hein. On se fait descendre à chaque fois qu'on y a. Ouais, c'est juste qu'il peut bien. C'est ça. Vous avez capturé la zone A. Votre équipe a l'avantage de zone. Oui, il assume pas. Zone C perdue. Ça peut chou non, devant toi. Ah, ok, d'accord, bon bah c'est fait. Et après, c'est plus de bouclier. Pas plus de bouclier. Mais il y a plus de super. Et je suis bon. Vous avez capturé la zone C. Votre équipe a l'avantage de zone. Perdu. C'est un jeune câbleur sur terre. Oh, moi je vais avec ma team, donc je vous laisse, d'accord. Ils abandonnent tous. Avant la game, c'était vas-y, on fait les 20 000 points en une soirée. Et là, ils en ont une qui passe pas, ils abandonnent tous. Oh, oh les gars, purée, assumé. Tranquille, ça arrive de tomber sur des mecs plus forts. C'est la vie, tu vois, y a pas de drame.
Et jouer snipe en compète, c'est pas facile. Putain, Kélia, je suis loin d'être un monstre. Hein. Putain, si seulement. Je paierais cher. Hein. Pour être un monstre. Eh, Zapou, j'ai juste envie de me faire plaisir, tranquille. Déstress. Si tu veux voir du tryhard, faut aller ailleurs. Pas pendant les deux prochaines saisons, Emma. J'ai annoncé dans ma vidéo qui s'appelait comment? Parce que j'ai déjà posé la question tout à l'heure. Allez, trois en même temps, Mathéo, tu penses? News de la semaine, pas de retour du jugement des neufs. Date de sortie Vagabond. Et en gros, dans le titre, il y a marqué pas de JD9 de l'année. Mes vidéos enfin. Par contre, c'est abusé, hein. On peut jouer ou comment ça marche? Effectivement. Je pense qu'il n'y a pas assez de points pour pouvoir jouer. Genre, chromosome il a 0 points, toi Puxion t'es à genre 110 points. L'enfeu, j'ai pas vu. Moi, je suis à 5000. Mais du coup, genre, le jeu, il veut pas trouver. Ah ouais, c'est trop déçu, c'est vrai. En stack. Ah bah, je vais jouer en solo, alors. Ça y a pas d'histoire de cote si je suis solo. C'est pas de construire ton propre avis, Emma, que t'es obligé de demander celui des autres sur ce sujet. Tu joues aux deux, depuis longtemps. Fais-toi ton propre avis. Ah oui, comme ça, les architectes ont eu raison de vous. Effectivement, c'est peut-être lui.
Oh, pas du tout, Yessim. Vraiment, le chardon, c'est pas une arme que j'appréciais trop dans Destiny 1, déjà. Alors, non, non, c'est pas forcément. De quoi, Soma? J'ai pas compris. C'est les Xing. Tu sais, les gens qui expriment des problèmes sur Destiny 2, c'est souvent parce qu'ils aiment le jeu et qu'ils aimeraient qu'il s'améliore. Donc tu peux pas reprocher ça aux gens en soma. Pour moi, ceux qui aiment pas le jeu, ils s'en foutent en fait, ils n'en parlent pas. Lock, yes. Domination. Télesto, je crois que j'ai jamais joué en PvP sur Destiny 2 le Télesto. Putain, quand j'ai vu la collante arriver vers moi, ça m'a rappelé les mauvaises époques de Destiny 1. Vous savez, la période où les collantes one-shotèrent. Les gens restaient cachés jusqu'à pouvoir jeter une collante. Oh, c'était tellement relou cette période. Moi oh, j'ai. Zone A capturée. Vous avez l'avantage de zone. Zone B capturée. Contrôle total. Vous avez pris toutes les zones. Soma, par contre, fais attention à comment tu parles aux gens. Enfin, moi perso, je te parle de manière correcte. Alors si tu pouvais essayer d'être poli sur mon live aussi, ça m'arrangerait. Sinon, après, je serais obligé de faire le policier, tout ça, j'aime pas trop. Pas trop mon délire, tu vois. Et Jérémy, toi aussi, hein, j'ai pas besoin de toi, en fait, pour gérer mon live. Donc, tu peux t'abstenir de ce genre de réflexion. Vous prenez de l'avance. Continuez comme ça. Ils ont pas dit que c'était de la merde. Mais après, tu l'interprètes comme tu veux, ça. Sans tu veux être dans l'embrouille ce soir, mec. Je rentrerai pas dans ton jeu, tu fais ce que tu veux, juste reste poli. Et pareil, Crimson, j'ai pas besoin de toi pour gérer mon live, merci. Ouais, il y en a d'autres qui abusent dans l'autre sens, Bobby. C'est comme toi, tu sais, dans la vie. T'as toujours les deux côtés. Et généralement, quand t'es d'un côté, tu veux pas voir le problème qui est de l'autre côté.
pris toutes les zones. Gardez-les. C'est extraordinaire. Deux pour le prix d'un. Erreur de la part du joueur français. C'est du clip pour toi, Akar? Non. C'est juste du super, ça, c'est pas du clip. Est-ce que j'aurais pu revenir sur des signants? Non, non, je pense pas. Ouais, c'est normal que je tombe contre des gens qui sont pas très hauts en... en compte, parce que j'en ai pas fait sur PS4 encore. J'avais eu mon Luna sur Xbox One, donc je m'étais pas amusé à en refaire sur PS4. Oh putain, la grenade, comment elle s'est tournée là? Pas du tout comme ça que je voulais. J'ai pas... sur Xbox, non, non, je vais pas trop galérer. Non, non, sur Xbox One, j'ai pas trop galéré pour le Luna. J'ai fait ça en 4-5 sessions, je crois, tranquillou. En solo, en plus, j'ai... j'ai monté jusqu'à 1700 ou 1750 en solo, je crois, sur Xbox à l'époque. J'avais fait une vidéo dessus, je crois. Où j'expliquais comment ça s'était passé. Ouais, Redil, on peut... on peut toujours l'espérer, en tout cas. Aucune idée, Juxing. Perso, j'ai pas tryhard depuis la changement des supers la dernière fois et tout ça, donc j'en sais absolument rien. Peut-être le... j'irais le chasseur abyssal avec les... avec le torse là qui te fait durer ton super plus longtemps. Peut-être, je suis pas sûr, j'en sais rien. Ou alors le titan masque du borgne en cryo. Peut-être. Après moi je joue pas masque du borgne, mais... ouais, je dirais ça, le titan masque du borgne. Cryo ou solaire, je pense. Non mais les gens, enfin moi là je crois vraiment qu'en termes de grosses nouveautés sur Destiny 2 il n'y aura plus rien. Vraiment, j'espère me tromper et j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas et qu'il y aura un truc qui révolutionnera le truc. Mais moi je n'y crois pas. Après chacun a le droit d'espérer et de croire à ce qu'il veut, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Vraiment. Mais... moi, je pense vraiment que c'est fini pour Destiny 2 et qu'il va juste vivoter. Non, Jawbreak, je fais aussi. J'ai fait quelques raids aussi, mais... voilà. Je me suis pas pris la tête là-dessus. Ouais, la saison d'après Penumbra a l'air d'être plus sympa que la saison
que la saison actuelle, on est bien d'accord hein, que la saison qui va arriver là. Mais ça fait dans longtemps, et puis tu sais pas comment est-ce que sera le jeu à ce moment-là, enfin. Franchement, j'en sais absolument rien. C'est vous qui attaquez. Activez les charges ou éliminez tous vos adversaires. Franchement, je. Moi, je. Ouh là là. Alors, je sais pas où sont mes collègues. Putain, ils viennent de spawn. Ok, génial. C'est crazy, ça va être hein. Oh là là, par contre, j'ai pas le droit de louper ça. Oui, après Crimson, tu sais, un projet, ça s'annule, ça se change, ça te... T'en sais rien, en fait. Désactivez la charge. Rassemblez votre équipe. La force est dans le nombre, gardienne. Excellent. Il ne reste qu'un ennemi. Ah merde, j'avais plus mon coup d'épaule. Je crois que j'avais plus mon coup d'épaule. Défendez ces charges. Et battez-vous jusqu'au bout. Ah, Hydra, c'est pas de ma faute si j'en ai pas fait encore sur PS4. Je peux pas. Je peux pas changer ça là maintenant là. Si tu veux des matchs plus intéressants, faut bien que je passe par ces matchs là au début. J'ai plus rien moi. Charge ennemie activée. Désamorcez-la avant qu'elle n'explose. Quoi, je suis pas dessus là. Ouais, après, du vrai compétitif sur Destiny, on n'a jamais eu. Hein. Même à l'époque des sweats
Sur des signes, c'était même limite. Alors là, en ce moment, c'est. Pas se mentir, hein, c'est. PVP de Destiny 2, c'est pas du tout fait pour avoir quoi que ce soit de compétitif. Ah, mais je loupe pas ça! Pacto, mais je crois qu'ils ont répondu dans les commentaires. Non, personne t'a répondu, c'est le Elegy 49. Oui, Zapou. Il y a beaucoup de e-sport dans Destiny 2, pas Redon. Oh, mais je mets rien. Chez l'armurier, Pacto, il n'y a pas de. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est Bill. Enfin. Il va même pas essayer d'aller désamorcer. Regardez là. Ouais, quand je perds au tout début, c'est compliqué. Faut que j'arrête de m'amuser avec mon snipe. Ah, je mets pas de tête, hein. Ah, mais je mets pas mes balles aussi. Oh. C'est moi ou j'entends même pas mes coéquipiers tirer? Alexandre, j'en ai parlé 22 000 fois sur ma chaîne du contenu de Vagabond. Putain, je mets que des body. Joue manette, Redil. Faites exploser les charges et vous remporterez cette manche. C'est Egon. Voilà, enfin une belle tête qui passe. On est sur du body. Ok. Ça va arriver par là. Charge activée. Maintenant, battez-vous. Il ne reste qu'un adversaire. Oui, l'ennemi a été neutralisé. Ah, Crimson, moi ça marche. Moi ça marche pas comme ça, ça marche au mois. Tous les mois j'ai 2 jours et demi et je peux les utiliser, tu vois. En même temps dans l'informatique, en fait, quasiment tous les 2 ans, tu changes de job. Donc t'imagines si tous les ans tu pouvais pas prendre de vacances. Ça ferait 1 an sur 2 où tu prends pas de vacances. Ça ferait un petit peu trop.
Ah, c'est pas cool en fait, c'est normal, tu vois. Oh, ils ont utilisé deux super. Il n'y a plus personne pour combattre à votre place. Alors battez-vous. L'ennemi a activé une charge. Désamorcez-la. Ah, bien joué. Toute votre équipe est à terre. Battez-vous. Hein. Dernier virage, gardienne. Chevauchez vers la victoire. Oh putain, ils ont un super. Et j'ai le mien aussi. Voilà. 3. Et 4. C'était inimaginable. Tous vos adversaires sont à terre. Quelle démonstration de force. Ouais, oui, ça m'a. Ouais. Là, ils ont failli la gagner, celle-là. Pourquoi les recrues ne sont pas toutes comme vous? Rien que d'y penser, ça me rend dingue. Non, Bill, depuis un mois, non. Enfin, si, il y a eu l'arrivée de la dernière parole, Bill. Avec une quête plutôt sympa, avec 2-3 trucs cool. Donc, ouais, si, si, il y a la dernière parole, plus sa quête qui sont sympas, tu vois, moi. En solo, c'est un peu la loterie, hein. Avec qui tu tombes ou contre qui tu tombes. Parce que là j'ai eu un coéquipier, il a fait 3 kills dans toute la game. Après Bill, je te conseille d'essayer de le faire quand même. La dernière parole, elle est cool. Elle est fun. Elle est pas très efficace en compétitif à haut niveau, mais elle est fun. Que votre équipe ait des armes pour vous aider. Battez-vous. Oh, le beau gros loupé. Dose.
Putain, le mec, il se voit qu'il se fait tirer dessus, il recule même pas, il continue d'avancer tout droit. Oh putain, sur le côté. Ah, il passe pas tête. Ah, j'ai... Ouf, celle-là elle est bien partie. Très bien. Montrez à votre adversaire à quoi ressemble un mec. C'était pas lui. Il m'a pris pour un jambon. Bah oui. Il m'a pris pour un noob. Il a cru que j'allais le suivre. Oh, l'arrogance du mec, quoi. Il m'a pris pour un jambon. C'était bien essayé, de toute façon, il avait rien à perdre. Ah, il y a beaucoup de pompes en face, mes coéquipiers galèrent. Ah, puis moi, je sais jouer mes balles. Non, Ray, malheureusement, non. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé, d'ailleurs. Parce que, de toute façon, il perdait pas de points, et en plus, je l'aurais suivi, donc, du coup, j'aurais peut-être arrêté mon super, tu vois. Ils ont l'avantage, mais la partie n'est pas terminée. Ça, ça devrait les calmer. Oh, pourquoi je tire pas? Je suis tué, en plus. En tout cas, j'ai plus les problèmes avec ma manette. Je peux même pas m'en servir comme excuse. Vous passez en tête.
Ah. Quand les gens sont dos tournés, mettre une tête au snipe, c'est pas facile. Hein, parce que la hitbox, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. T'as les épaules qui montent plus haut. J'ai l'impression que la hitbox de la tête est plus petite quand le mec est dos à toi. Non, y'a que moi qui a cette impression, les gens. Non, j'ai utilisé trop tard. Ouf. Bon, ça va. Ah, je vais. Ah, 2-3 balles tête qui rentrent au snap qui font plaisir. Après, à plus haut niveau en compétitif, le snap. C'est vraiment pas. Ça vaut vraiment pas le coup. Une minute. Ah, bien joué. Easy. Vous avez 30 secondes. Rappelez-moi de vous inviter la prochaine fois que j'ai envie de me bagarrer. Pourquoi me donner une table de 4? Non, ça changera ça. Ah, mais il me la donne directement pour la. Pour le Note for Katan. Ah non, non, bah non, non, c'est l'autre justement. Ok. Ok. Ah ouais, j'ai même pas fait mes 10 parties de compétitif en fait. Ça, hein. J'ai même pas fait mes 10 parties de compétitif. Oh, putain, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup joué en compétitif sur PlayStation, non. Why
King, par contre, je... Ouais, bah, si tu veux, rejoins-moi pour une gamme. Oui, c'est pour le sommet, j'avais oublié. Dra. Il y en a qui est en train d'écrire dans mon chat. Hop. Domination. Emparez-vous de ces zones et contrôlez-les jusqu'à votre dernier souffle. Ah, j'arrive. Oh, il y a du Jotun. Faut que je reste mobile. Faut que je reste mobile. Oh, Jotun en bas. Mode esquive. Très bien. Là, on a Hit sur la gauche. S'il a pas trop reculé. Ah ouais, mais c'est Jotun, ça va être compliqué. Pas le temps de mettre la barrière.
Merde, attendez, je crois que j'ai répondu pas au bon truc. On verra ça tout à l'heure. Let's go. T'as vraiment le truc qu'il faut pas faire. Mettre une mêlée, puis mettre des balles. Toujours faire ça dans l'autre sens. Les gens ne regardaient surtout pas mon gameplay sur ce point de vue-là. C'est vraiment la pire des choses. Faut toujours mettre des balles, puis finir avec la mêlée, parce que le temps de changement entre ton arme vers une mêlée et une mêlée vers une arme est tellement long que clairement tu perds ton duel. Toujours le faire dans l'autre sens. T'as eu des vacances, Tiggy Game, c'est déjà pas mal. Si tu vois ce que je veux dire. Moi, les vacances, ça va faire un moment que j'en ai pas eu. Oh non, utiliser un super pour ça, il est sérieux le mec. On est en 3 contre 1, le mec est mid-life. On est au spawn, tous regroupés. Il utilise un super. Bon, pas pire que celui-là au final. Quoi? Ah putain, c'est ce masque du Born qui l'a sauvé. Ah, il a récupéré de la vie en tuant mon collègue. Je me disais aussi que normalement il aurait dû tomber. J'ai pas capté. Exactement pour ça que nous avons des escouades. Vous avez pris la tête. Cinq minutes. Rien n'est joué. L'avantage est perdu. Mais la bataille reste serrée. Zone B capturée. Ce sont des chasseuses comme vous qui éclairent la voie pour nous tous. Vous passez en tête. Le névron, moi, ça me dit quelque chose. J'ai dû le tester, je sais plus quand, mais il y a un moment déjà. Putain, je l'avais sur la deuxième. Que vous avez des niches. Ah, je devrais pas prendre ça comme comme lourde. Putain, mais je loupe toutes mes balles de snipe là. Tout à l'heure elles passaient et là je les loupe toutes. Ah, ils vont voir toutes les zones à cause de moi. Voilà.
Sérieux, Hydra? Sur D1, il y a des pubs pour Renegade? Ça fait vraiment plaisir. Pourquoi est-ce que ça te fait plaisir? Voilà, ça y est, enfin, il y a des balles qui rentrent. Bon, c'est trop tard. Votre équipe a l'avantage de zone. Je pense que c'est trop tard. Je n'ai pas fait mon job. Ouais, mais Samy, en fait, le fait qu'il soit là, ça t'oblige pas à y jouer. Donc, pourquoi est-ce que tu peux être content qu'un truc soit pas là? C'est ça que je comprends pas, en fait. Tu vois? S'il était pas là et que t'avais envie d'y jouer, tu vois, tu peux ne pas être content. Mais être content qu'un truc qu'on t'oblige pas à jouer soit pas là, c'est débile. Mais qu'il soit là ou pas, de toute façon, t'es pas obligé d'y jouer. C'est ça que je comprends pas. Oh, sérieux. Il reste 30 secondes. Ça, si t'es pas capable de monter ta lumière sur des signes 2, c'est pas grave si t'arrêtes de jouer, tu vois ce que je veux dire. Oh, légalisation. Oh non, 97. Oh non! Oh, je pensais que j'avais eu l'égalisation avec cette belle tête. Ça aurait été trop stylé. C'est une guerre de territoire. Une de celles que vous pouvez gagner. Recommencez. À 2,1, il n'y a que moi qui a joué des 7 joueurs. Et on la perd, je suis dégoûté. Merde, j'ai pas répondu au bon endroit. Non mais Samy, on est d'accord qu'il y avait un problème à la fois de méta et à la fois de format sur Destiny 2 pour le JD9. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Mais pour moi, le fait qu'un truc soit présent et disponible n'est pas une bonne chose. Parce que même s'il est mauvais, en fait, t'es pas obligé d'y jouer. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Noctix, j'ai lâché. J'ai fait toutes les activités au moins une fois et... J'avais pas envie de les refaire, en fait. Ça m'intéresse pas. Ah ouais, Soma, tu m'as envoyé une demande? Vas-y, je regarde.
Demande d'amis. Si, le jugement des neufs était nul. Si, si, clairement, il y avait un problème à la fois de méta et de... Et de... Comment dire? Et de format, donc si. Alors, The Division 2, j'aurais bien voulu le tester, mais j'ai de la famille à la maison de vendredi soir à dimanche soir, donc ça va être compliqué. Parce que c'est ça, en plus, c'est de vendredi après-midi, mais je travaille jusqu'à lundi. Donc, je pourrais peut-être y jouer un tout petit peu dimanche soir, mais du coup... Je pourrais quasiment pas le tester vraiment, en fait, The Division 2. Oh non, j'ai rien retiré, Soma. Bah, je suis en live depuis tout à l'heure, donc tu vois, j'ai fait que les accepter. Du 1 au 4 mars, du 1 au 4 mars, de vendredi à lundi, ouais, je vais être baisé pour The Division 2. Il va même pas sur la zone à désamorcer. Ouais, mais c'est trop tard là, gros. Quoi faire? Il ne reste qu'un ennemi. Il ne reste qu'un adversaire. L'équipe ennemie est à terre, mais la charge est encore active. Désamorcez-la. Il n'y a que les charges qui comptent. Activez-les et protégez-les.
Là, j'aurais bien aimé qu'elle passe. Ah, oh, bah ouais. Ah, il va avoir le temps ou pas? Bien joué. Ah non, il a pas eu le temps. Bien. Les cabales savent fabriquer des jouets merveilleux. Salut Archer. Ouais, ouais, pourquoi pas ça. Si tu veux. Défendez les charges et éliminez vos adversaires. Je peux avoir mon super pour celle-là. Pas besoin. Excellent. La charge est toujours activée. Désamorcez-la. Bon, ça devrait être gagné ça. C'est quoi ça en 5 ou en 6? Oh, arrête, l'avantage de lumière, Samy, ça... En fait, dans ce genre de mode de jeu, c'est normal que tu demandes l'avantage de lumière. Exactement comme tu le demandes pour faire les raids, en fait. C'était même le seul endroit où tu le demandais, en fait, dans tout Destiny 2, quoi. Donc... Pour moi, s'il y avait eu que l'avantage de lumière, ça aurait été un beau mode de jeu, J9. C'est pas le problème. Le problème, il n'était pas du tout là-dedans. Puis l'avantage de lumière, en plus, il n'était pas si important que ça. Ouais, mais... Ouais. D'accord, j'avoue. Ok, j'arrive. Enfin, le seul mode de jeu important, pardon, j'aurais dû dire. Pas joli ça. Charge ennemi activée. Désamorcez-la maintenant. Plus qu'un adversaire. L'équipe ennemie est à terre, mais la charge est encore active. Désamorcez-la. Alors, faut que j'accepte quelqu'un. Et que je l'attends.
les charges ou éliminer tous vos ennemis. Ah, shit, elle passe pas. Gardien à terre, vous avez activé la charge. Rassemblez votre équipe. Plus qu'un adversaire. Salut Kevin, merci pour ton like mec, forme-toi. Ennemi en approche, défendez les charges ou éliminez vos adversaires. Oh. Oh, ça fait presque plaisir de se prendre des balles têtes au snipe, on en voit tellement peu. Bon, je suis pas sado, hein, ça fait pas non plus plaisir. À choisir, je préfère les mettre que les prendre. Oh, GG, purée, ça... Ah, ça joue Luna et tout ça. Ah, je peux plus m'amuser avec mon snipe, moi. Ah, c'est mort, ça a pété. La charge ennemie a explosé. C'est UBST. Monter la cam, ouais, je peux. Faites exploser les charges et vous remporterez cette manche. On va voir si ça suffit. Je vais la remontrer un peu si ça suffit pas. Du duel de snipe alors ou pas? Ah, il m'attendait. Ah, oh, putain, avec son masque du bord, là, il va me saouler. Plus qu'un adversaire. Votre charge est activée. Laissez-les venir. Vous avez démoli. Continuez comme ça. Ça, c'était drôle avec eux. Défendez. Oula, oh là, ça joue fond de map site. Arscope. Invisible. Ah ouais, là ça. Ça la joue full pute plus. Il n'y a plus personne pour combattre à votre place. Alors battez. J'avais perdu une bataille. Mais pas la guerre. Je fais rien du tout sur cette game. La dernière parole sur cette map, elle est compliquée à jouer. Hein. Activez les charges et protégez-les, même au péril de votre vie. Ouh, celle-là, elle passe en invisible. Dans la fumée. Il ne reste qu'un ennemi. Tous les ennemis ont été éliminés. Bien. Aucune idée, BS. Si ces charges explosent, tout est perdu.
Défendez-les. Oh GG. Ouais, il faut qu'on fonce sur la charge. Plus qu'un adversaire. Charge ennemie a explosé. Ah! Je pensais que sa flèche était plus loin et que mon super allait passer. My bad. Par contre, ils ont utilisé deux super pour faire un 3-3. Ok, d'accord. Mais non, c'est du full aléatoire. C'est injuste, ça c'est full injuste. Ouais, mais non. Ça c'est full injuste. Oh là 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 là, je prends la mauvaise décision, on va pas le cacher. Faut qu'il y aille, sinon ils vont raise. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais non, on n'y va pas. Charge ennemie est activée. Ah, il a niqué le game. La loose. Non, je suis très mauvais là, Hydra, sur ce Soma, sur ce. Là, je suis totalement nul. Plus qu'un adversaire. Ouais, c'est mes coéquipiers qui vont la sauver, hein. Franchement. Regarde, tu vois, bah, ça se voit au niveau des stats. Hein. Le point décisif pour vos adversaires. Peu importe, tant que vous êtes en vie. Mais jouer snipe, ça. Ça récompense plus grand chose, hein.
Ouais, ils sont en train de faire la game sans moi, regarde. Alors moi, ils ont zéro besoin de moi. Vous les avez démolis. Continuez comme ça. Jamais. Jamais, Cléo, t'es ouf. Je préfère perdre que de prendre la mida. Tout se joue maintenant. Donnez tout ce que vous avez, gardienne. 10 fois. Ah mais tu vois, je mets 0 balle quoi. Ça le problème, c'est que je mets 0 balle de snipe. Et encore une. Ouais. Je suis plus dedans là. Je pense que je peux arrêter. Midad, je te noir clip. Le combo de, des mecs sans visée. Oh. Oh. Bah putain. Et je ramasse le dernier kill dégueulasse. Bon, je m'arrête là. Je suis plus trop la merde. Ouais, tu peux pas dire GG à moi, faut dire GG à celui qui a fait la game là. On va aller ouvrir ces deux petits trucs. Faut dire GG à Mohoho. Ah, j'ai pué la merde tout le long. Ah, mais après les 2 heures de live, tu vois. Là, on en est à 2 heures et quart. Généralement, après les 2 heures de live, j'arrive plus à être concentré sur du PVP. Quand tu joues snipe, si t'es pas concentré, c'est pas comme pompe, tu peux pas ne pas être dedans quand tu joues snipe. Jouer le LJ 49. Salut gardien. Je suis Gotaga de décennie, le pauvre Gotaga. Il prend cher dans la comparaison. Je suis même pas le The Kairi de Destiny en termes de niveau de jeu, je parle. Je suis même pas le. Attends, je sais pas qui c'est qui est réputé pour être nul dans le monde du gaming. Moi j'en sais rien, je suis tellement pas ce truc là que j'en sais absolument rien. Clavier souris sur Destiny. Avec un petit temps d'adaptation, gardien, je pense que je joue à Overwatch en clavier souris, donc oui, je pense. Après, évidemment, quand tu passes d'un jeu que t'as l'habitude de jouer à la manette à clavier souris, il te faut un petit temps d'adaptation, je pense, mais oui. Oui, ça me paraît pas. Ça ne paraît pas infaisable. Du coup, je quitte. Oh bah, tu fais ce que tu veux, gros.
Tu sais que je retiens personne en otage, moi. C'est pas mon genre. Je dois admettre, gardien, je suis très curieux de voir ce. L'heure de se battre a sonné, gardienne. De quoi avez-vous besoin? Michael, en fait, si tout s'était bien passé, j'aurais mis un 6 ou un 7. Mais vu que le début de la forge, il s'est mal passé avec, tu sais, quand ils ont baissé la lumière, mais trop tard. Du coup, les gens ont monté pour rien et après, c'était trop simple. Avec le loupé qu'il y a eu sur le labo et tout ça. Franchement, les armes exo, elles sont plutôt cool. Le système de forge, même s'il a bugué au départ, il est pas mauvais. Toutes les armes à farmer, tout ça, c'est plutôt cool. Mais avec les deux gros loupés qu'il y a eu sur les deux grosses actifs du truc, et puis il y a la dernière parole aussi. Pour moi, c'est un 5 ou un 6. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu regardes pour 10 balles, parce que c'est ça, hein, c'est 30 balles les 3 mises à jour, donc pour 10 balles la mise à jour... Avoir les forges, toute une série d'armes et d'équipements, avoir la dernière parole, avoir 3 armes exotiques en quête et tout ça, avoir le labo niobé, pour 10 balles, moi ça me. Avoir le raid aussi, et toutes les armes et tout ça, pour 10 balles, moi ça me paraît pas incohérent, tu vois. Mais 10 balles, ça nous tient pas 3 mois en fait. Pour moi, il est là le problème, mon cas, c'est que 10 balles. 10 balles, t'as un skin dans un autre jeu, tu vois ce que je veux dire? Dans un autre jeu, c'est un skin. Donc bon, je. À comparer, je préfère avoir la mise à jour qu'on a eue pour 10 balles. Mais voilà, t'as pour ce que t'as mis, quoi, 10 balles. S'ils avaient tout mis dès le début, ça aurait duré 2 semaines. Ouais, je sais pas. J'en avais parlé, moi, mitigé. Oui et non. Salut Blacky Wolf. Allez, bonne soirée à tous. J'arrête le live là. See you. À la prochaine, les gens. Ciao, bye bye.